Bonsoir, bienvenue sur mon YouTube. Alors, je vais faire un unboxing, non, parce que c'est de la merde et puis ça sert à rien. Puis je suis tout rose, on s'en fout, hein, ça c'est de la merde. Donc on va faire un unboxing de merde et je vais unboxer. Hein. Echte Appenzeller Berli Biber Gefühlt Fourré. Voilà, on va unboxer ça. Et voilà, merci d'avoir suivi et à bientôt. Bonsoir et bienvenue sur mon YouTube. Alors aujourd'hui je vais débloquer... Enfin, on veut unboxer une PS Vita, en fait, parce que elle était en promo et j'ai voulu... Enfin, en promo, elle était moins chère que d'habitude, environ 60 balles moins chère que habituel. Qu'est-ce que t'es en train de filmer, ma tub? Putain. Et en fait, j'ai pris une Vita. En fait, c'est une console qui me tente bien pour pouvoir jouer avec, avec quelqu'un. Parce qu'il y a pas beaucoup de jeux, mais il y a des jeux bien, donc on va déballer. On va déballer. Alors je sais pas comment sera la vidéo parce que c'est pas moi qui tire. Ah putain, il manque un chat. Il manque un chat. Oh. Ah putain, il manque le chat. Il manque le chat. Oh putain. Voilà, il manque un chat. Ça c'est fait. Non, parce qu'on a essayé de trouver un chat avant, mais il en a pas trouvé en fait. En fait, on cherchait mon chat, mais il répond pas. Alors t'as pas un truc pour ouvrir parce que là je suis en train de démolir le carton. Attends. Alors. Je cherche. Voilà, on ouvre. Alors regarde, tu vois, avec des ciseaux. Alors, j'ai les cheveux qui me gênent, je vois rien du tout. Putain. Alors, j'essaye de pas détruire les cartons, mais en fait, je suis un peu handicapé. Et puis, c'est pour mettre les cartons. Voilà, est-ce que c'est bon? Ah. Ça, c'est fait. Attends. Bon, en général, les cartons, je les fous à la poubelle. Parce que j'en ai un peu rien à foutre. Ouais, c'est un peu pas comme moi. Parce que moi, je sais pas si on voit là. Ouais. J'ai pas les cartons, c'est... Bah attends, on s'en fout de tes cartons. Attends, il manque le chat. Il manque le chat, voilà. Il y a un chat. Bon, il a une tête de con, mais bon. Ah, mais dégage-le, ce machin. Attends, j'arrive pas à... Attends, on va faire comme ça, la gravité. Oui, non, en fait, c'est pour ça que je fais jamais d'unboxing, parce que je sais pas ouvrir une boîte. Ah, ça vient. Donc, du coup, je l'ai jamais unboxé, cette console. Ça faisait un moment qu'elle me tentait. Puis je la trouvais trop chère en fait. Je la trouvais vraiment trop chère. Alors donc là on voit que c'est USK 0. Je sais pas ce que ça veut dire. En fait là on voit que c'est pour 3 ans, tu vois. Donc j'ai un doute sur mon âge. C'est une version Wi-Fi, donc il y a aussi les versions 3G téléphone. Abonnement mobile. Ouais, pour une carte SIM, mais de bon, merde. Ah, il y a encore un scotch. Vais-je réussir? Je suis sûr que t'as sorti le ciseau du pauvre exprès. Voilà. Et je sais pas pourquoi il est cassé. Mais c'est quoi ton ciseau là? Putain, attends. Attends, on va réussir. Attends, mais c'est vraiment de la merde ce ciseau. Sérieux, il coupe que dalle. Tu vas bien y arriver. Il coupe que dalle. Voilà. Tu peux réussir, ouais. Ouais, enfin, ah, je suis en pro. Oh, oh nom de Dieu. Oh, putain. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Je pense qu'il va y avoir des notices. Alors, ça, c'est vraiment. Le truc, j'en ai rien à foutre. C'est quand il te file 3000 notices. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre, hein? Là, qu'est-ce que j'ai? Airplay card. Ah oui, putain, comment t'appelles ça? Les trucs d'augmenter réalité. Non, augmenter. Non, oh, réalité oui. Augmentée. Voilà, ça, on s'en fout un peu. Bon, faut garder parce qu'il y a des jeux qui demandent ça. Là, on a quoi? On a. Voilà, on a donc le mode d'emploi en allemand, et oui, toujours parler allemand. Hein, toujours parler en allemand. Là, on a une carte. Bon, je vais garder ça de côté au cas où il y aurait peut-être... des informations pour télécharger des films sur YouPorn. Ça, apparemment, c'est tous les modes d'emploi. De ouais, en fait, toutes les langues. Ouais, en fait, au lieu de faire un seul mode d'emploi, il t'en file 15 000. C'est absolument pathétique. Donc ça, je vais laisser là. Après, il faut que je bouffe mon machin, là. Alors là, qu'est-ce qu'on a? C'est comme ça, en fait? Ah, c'est un transfo de merde. Là, on a un câble USB avec une fiche bizarre. Là, on a un câble. Alors ça, c'est apparemment pour brancher l'électricité. Ouais. Et là, on a quoi? Attends, là, ça va sortir. Ah ouais, elles sont petites, en fait. Il y a 8 gigas. En fait, les cartes mémoire sont comme ça. Alors ça, j'ignorais complètement. C'est même pas des formats Super SD, c'est des formats de merde.
Et là, on a donc la console emballée dans un papier comme chez les portables. Vous savez, les télécommandes plastiques, les télécommandes télé, toujours dans le plastique, en fait. Et là, on a donc la machine. Voilà, c'est plutôt joli. Voilà, bon, je l'ai déjà eu à main, ça c'est clair et net. Le seul truc qui me gêne à cette console, enfin, dans ce portable, c'est les analogues. Ils sont trop surélevés. T'as l'impression que tu vas les niquer à force, en fait. Alors, voilà. Donc, si je peux comparer à la taille d'une PSP, une PlayStation pas solide portable. Qui devrait être, attends, elle doit être là. Non, ça c'est le Elgato. Attends, mais elles ont passé. Ah, mais elles sont là. Voilà, à peu près par rapport à la taille d'une PSP. Comme ça, quoi. L'écran est plus grand. Et puis, il y a un écran. Alors, l'écran peut afficher des couleurs. Et puis, une image. Et puis, du son. Et puis, ouais, du son. Alors, là, on a quoi? Attends, là, on a encore quelque chose. C'est carton. Désolé pour la luminosité. Parce ouais, que... non, mais c'est de la merde, la lumière, ici. Là, on n'a rien, en fait. On est en carton. Je regarde s'il y a pas une surprise, tu sais. Ah. En God Michel. Ah ouais. Caché derrière. God Michel 8 gigas. Pour faire une offre à ta maman. Alors là, il n'y a rien, en fait. Donc là, voilà, ça, c'était la boîte. Ouais. C'était la boîte. Alors, je sais pas si tu veux une deuxième boîte de PS Vita. Non, ça ira. Comme ça, tu, plus ou moins assez. Tu diras que t'es riche et que t'en as deux, tu vois. Ça, c'est la mémoire stick. Donc là, ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est... Ah, c'est la lampe derrière. C'est la lampe magique. Voilà, c'est la lampe. Sinon, il n'y a rien. Par contre, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'il y a ça. Attends, ça demande quel voltage? Donc là, je vais déballer ce truc, regardez. Bah, ce machin, il se tourne. Alors, c'est vraiment un unboxing de merde. C'est vraiment pour faire chier les gens qui aiment pas les unboxing. Parce que c'est vraiment de la merde. Et puis là, ça se branche, tu vois. Alors, ça, c'est de la merde parce que. En fait, le truc ne va pas au fond. Ah. Tu vois, ça, c'est scandaleux. Parce que le truc ne va pas au fond. Bon, ça, c'est vraiment. Non, ça, c'est scandaleux. Je vais me faire rembourser la console, là. Bon ben, je pense que c'était un unboxing de merde. Ça va comme ça. Comment tu mets ça? Ça va du côté de la PSP puis l'USB apparemment. Par contre, j'ai entendu dire qu'il fallait regarder le sens parce qu'elle allait dans les deux sens soi-disant. Et puis qu'un côté ça marchait pas. Bon, c'est logique mais. Et voilà, donc c'était un unboxing de merde. Et oui. Bah écoutez. Voilà. Plus que la Vita, c'est pas tellement vendu, autant la montrer. Non, mais c'est une console qui me tentait depuis un moment, puis pour jouer à deux. Moi, je pense que surtout, il faut attendre, les jeux vont arriver dessus, et pour le moment, il y a. Bah non, on va aller tester ça. Hein. Ouais. C'est comment faire l'amour à une japonaise. Il y a un computer. Voilà. Bonne soirée. Au revoir.